allons-y. Allez, silence partout, on bloque s'il vous plaît. Pardon. En fait, c'était parti d'un court-métrage que j'ai vu, que je ne nommerai pas, mais qui du coup ne m'avait pas plu. Et puis je me dis, oui, mais c'est facile de critiquer, qu'est-ce que tu aurais fait pour... Et en fait, ça m'a emmené dans cet univers qui est celui du film Hey Joe, finalement, qui est cet univers ouvrier, des bassins industriels vraiment déshérités, un peu oubliés du monde. C'est comme ça que je suis arrivé dans cet univers. Et après, moi, j'y ai mis ce que j'ai en moi et ce que j'ai envie de raconter. Et donc, c'est devenu une histoire de quête d'identité, de quête d'affirmation de soi. Et ça passe malheureusement par la violence. Ouais, donc le personnage principal du film est interprété par Laura Sepul, qu'on a vu récemment dans Ennemi Public, et puis dans la série Suisse Quartier des Banques. Et moi, en fait, ça fait plus de 10 ans maintenant que je la connais, comme actrice, enfin, comme comédienne de théâtre, et que je dis à tout le monde qu'il faut la faire tourner, et que c'est pas normal parce qu'elle a une photogénie extraordinaire, en plus de son talent de comédienne, mais elle a vraiment quelque chose où je trouve qu'elle capte la lumière et qu'elle et dans le mouvement, elle a quelque chose de magique, de la cinégénie, ça s'explique pas. Vraiment pour le milieu dans lequel se passe le film ne pouvait pas se passer à Bruxelles pour moi. Il fallait que ce soit un bassin industriel tel qu'on les connaît en Belgique, donc des bassins industriels un peu au bout du rouleau. Donc il y avait un peu le choix entre Liège, Serein, ou plutôt Mons-Borinage, Charleroi. Et comme Serein avait déjà été un peu balisé par d'autres réalisateurs, que je ne citerai pas, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'essayer d'exploiter les paysages ennuyés. On va tourner sur un terril, donc ça c'est voilà, quelque chose qu'on ne peut pas faire à Bruxelles, mais pas non plus à Liège. Et donc, ouais, exploiter les paysages de cette région qui sont quand même assez singuliers et qu'on voit assez peu au cinéma, et qui finalement sont ma région d'origine, du côté de ma mère, qui sont des gens du Borinage. Et donc finalement, là on est à Charleroi, on n'est pas dans le Borinage, mais c'est comme ça qu'on est arrivé à tourner dans cette région, à chercher des décors dans cette région. On peut bouger, peut-être. Ou alors on met un lapin, et après, pas faire prendre du pilier, on ne peut pas faire venir. Oui, bonne idée. Ok, faisons ça. Oui, on fait ça tout de suite. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.